Sou pas dans tout Jovenel ou pas sécurité Ariel. Ou pas en sécurité Ariel. Comprenez bien. Au paquet moun qui dans gouvernement Ariel Henry, c'est le monde qui participait dans l'assassinat de Jovenel. Nous là aujourd'hui. Et nous sous 5e sitting n'a fait devant bureau Buni. Bureau Buni qui c'est bureau intégré dans la société. Les autres fait nous là. Nous là un. Nous sommes capables de recadrer Madame Salvador, Elisabeth Salvador. Que nous sommes un petit diplomate que nous rembassons dans la rue, qui n'a pas de dimension, qui n'a pas de compétence pour lui côté lié. Parce que il n'a pas même connu que lui a droit pour faire réserve dans des propos. Diplomate, ça y est, il a recruté en Haïti. Yo. C'est des faux diplomates, c'est des diplomates racistes et qui produisent souvent des rapports qui n'ont pas de niveau, qui mal enseignent le pays qui est en Haïti et qui fait le pays qui est en Haïti dans nos yeux. Où est Haïti à nos yeux et les yeux ça sont des yeux racistes, des yeux de destruction, des yeux pour faire complot contre la souveraineté du pays. Comment vous comprenez? Nous avons la police. Nous avons l'armée, nous avons BESAP. Côté l'État ici était capable de créer une taxe pour rétablir la sécurité dans le pays. Voilà que nous avons refusé de payer la police bien. Comme la police a touché 1000 gouttes par jour, et puis vous pensez que la police a une morale ferme, la bonne morale correcte pour la gommer avec Bandi pour rétablir la sécurité dans le pays. Alors que il y a beaucoup de soldats étrangers qui viennent, 2 à 3 à 5 000 dollars américains, pour soi-disant venir remplacer la police noire. L'armée d'Haïti, préparée, en mesure, techniquement, pour rétablir l'ordre et la sécurité dans le pays. Ambassadeur refusé, institution pays a garanti la sécurité du pays. Il a fait tout le monde qui quitte le pays pendant que même il a acheté terre, pendant que même il a fait caille, pendant que même il a construit l'ambassade, il a construit l'ambassade, il est capable de venir jouir de ça nous posséder. Eh bien, maintenant, nous venons là, il y a une énième fois pour nous demander à la communauté internationale là, qui choisit de voyer en Haïti des prétendus diplomates, des pseudo-diplomates, d'un nul diplomate et qui a produit des rapports nuls et qui entrave, qui fait nous paraître devant ce le monde. Chef, nous demandons à l'ONU de retirer Mme Elisabeth Salvador en Haïti parce qu'elle n'est pas compétente, elle n'a pas de dimension, elle n'a pas de capacité pour gérer une mission dans un pays comme Haïti. Je dis nous bien, nous voulons la communauté internationale la connaître. Haïti est un pays qui gourmet avec ZAM, qui baille tête l'indépendance. Ce n'est pas un décret département d'État. Ce n'est pas une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU qui fait Haïti grand monde. Haïti bataille pour le grand monde.
Et c'est pour ça, madame, nous réintégrer. Ariel, 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 Ari